Ah! Je n'avais pas vu cette porte. Ok, c'est... Pourquoi pas, j'ai eu un oubli. On va dire que c'est un oubli. Alors, quelle porte? Droite ou gauche? On va dire à droite. Petit couloir. Sachant que j'ai toujours pas visité cet endroit. Gros, gros débile. Ah, oui. Allô, oula. Derrière. Oula. Mais d'où vous sortez? D'où vous sortez? Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous... D'accord. Oui. Je sais pas. Je sais pas d'où ils sortent. Ah, je vois plein de choses. On va participer, hein. Là pour l'instant ça se passe bien. Ah, garde du corps, tiens. Intéressant toi, inutile surtout. La reine, ah. J'aurais bien voulu vous parler, mais j'ai pas le temps. D'accord, c'est tout. C'est tout. Et dans cette salle. Oh oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel. Un hôtel. Moule de coffre. Ou de l'or. De la poudre. Ah, un sceptre jaune. Ça, c'est utile. Oh, verrouillé. Ouh, des trésors. Moule de trésor, sans doute. Un sceptre blanc et ça. Je récupérerai tous les sceptres. Ensuite, on va continuer. Descendre juste là. Petite porte. On va tout faire, hein, je vous le dis. Ah, un cadavre. Dickin a voir caillou dans le chaussure. Et attendre Dickin. Non. Oh, des araignées, ça. Oh, que oui. Des bonnes araignées. Nos bénites. Petit, chers amis arachnophobes. Je vous conseille de partir ou bien d'avancer très légèrement dans la vidéo. Oh oh oh, que se passe-t-il? Oh oh, la petite porte piégée. Eh eh, quand même. Pas de ça avec moi, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Petit, des harpies encore. Oh, là par contre, il y en a beaucoup. Il y en a bien beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'on vient d'invoquer? Une goule invoquée. Pour l'instant, je pense que là, ça va être des combats ultra simples. Par contre, la goule, je crois qu'elle est dans le mur. Ouais, là... Ah non, il y en a une petite là? Non, la goule? La goule. Ouais, j'ai pas envie de me faire toucher par les ghouls en fait. Putain, mais dis. Ça, il y a une petite fée? Non, quand même pas. Ça se passe bien. Oh, un petit drop. Bon, c'est pas beaucoup, mais ça fera l'affaire. Alors, et ici. Oh oh oh, refuge de la nymphe. Ah ah. Oh oh oh. Ah. On m'aime pas. On ne m'aime pas.
très bien, je retiens. Ah, ah, ah non. Ah, bonjour, élémentaire d'eau. Quoi? Ah, quoi? Je viens de me faire défoncer la gueule en un seul coup. Quoi? D'accord. Très bien. Moi je... Oh putain, alors toi, 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 alors toi. Mais moi je voulais pas tuer les petits oiseaux. Ah tiens, t'es là. L'attaque sournoise, ouais, l'attaque sournoise. Ah voilà. Moi je veux juste discuter, j'étais pas venu là pour me battre. Hey. Prenez ça, créature ridicule. Bon, par contre le doublage du personnage est. Est assez étrange. Bon par contre, s'il vous plaît madame, peut-on discuter? Bon, combat d'affirme. Ouais. J'ai le temps. Oh, je prends, c'est parce que ça, ça fera du super colorant. Mais moi, je voulais discuter. Je peux pas lancer. Non, ça. Ça marche pas, très bien. J'ai pas une poudre pour ça. Si, je crois que j'en ai. Poudre féerique. Non. J'ai pas un truc pour les rendre visibles. Parce que là, ça devient long. J'ai dû ranger ça dans une boîte. Non. Pas ici. Ah, où est-ce que j'ai rangé mes poudres? Ah, voilà. Poudre asphyxiante. Elle est où? Elle est là. Normalement ça marche. Non? Ah, utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser cet objet. Oh, que c'est énervant. Que c'est énervant. Ah, elle est visible. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, madame, je veux discuter. Ah. Oui, il a fait recul devant vous. Ah, merci. Dites-moi, que faut-il pour s'assurer les services de quelqu'un d'aussi puissant? Qu'est-ce que ce crétin d'ogre vous a promis? Non, mais l'ogre est vaincu. Pourquoi? Ah. Oh. Oui, il a peur. Qui êtes-vous? Alors, je suis une fée, une reine des fées. Ah oui, la reine des fées. L'ogre est fait, ça y est, je me souviens. J'avais oublié ce petit détail. Là là, vous n'êtes qu'un peu grand. Vous êtes un peu grande pour une fée. Lol des yeux. Énorme monstre. Oh oui. 50 ans. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas. Vous êtes très belle. Oh. Oh mince alors. Alors. La star est partie. Ah. La créature a passé disparaître, ok. Les drows sont venus. Oh. Oh. Comment accéder au niveau inférieur? Qui pouvait me dire sur ce niveau? Mais que c'est les jeux sportifs puisque vous êtes frais un chemin, je dois dire que je ne connais que ses alentours. Que vais-je faire de vous, je me demande. Je veux pas rien vous prendre. Je veux des réponses. Bon. Je n'ai plus de questions. On peut. Je suis disposé à en parler. Que pouvez-vous m'offrir? Ah, les coffres derrière moi contiennent l'or, mais vous seriez tout de façon vidé. Je veux plus vous voir. Allez, salut, casse-toi. Et elle vole, oh mon dieu, cette 3D était incroyable. Oh, une poule. Putain, il y avait des poules.
C'est trop bien, par contre pourquoi ma carte elle a disparu? Ah oui c'est vrai, je suis mort comme un tubby. Et donc là il y avait un élémentaire qui one shot. C'était très agréable. Et bien on a rencontré la fée. Ah on est à moins de 5000 points d'expérience. Oh. Oh. Et puis là il y a de l'or. Ouais j'ai déclenché un piège. Enfin ouais. Un piège vite fait quoi. Vas-y, c'est au poison. Oui, je me baigne dans le poison. Le poison délicieux. Alors. Ouh. Oh. Oh. Mon armure, elle est à combien? Mon armure, elle est à plus. Elle est à plus 3. Ah non, elle est à 7. Et en plus, c'est une résistance. Non, j'en veux pas. Je prends. Et je prends aussi. Et l'armure, bah, je vais le laisser. Ça j'en ai rien à faire. Oh arrêt du sang. Oh cool. Je peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Cassons-nous. Casse-toi. Et... LOL. Trop LOL. Des banbars. Donc en fait ça sert à rien. On va récupérer le feu alchimique. Ça me sera largement plus utile je pense. Hop, je vais ramasser le feu alchimique. Voilà. Du coup à quoi ça ressemble à quoi? C'est celui-là, feu alchimique, parfait. Du coup... Ça me sera bien plus utile. Bien, et ben le sud est bientôt terminé. Il faut cette partie-là ensuite. Pour le sanctuaire de l'artificier. Que je n'ai pas vu. Que j'étais en fait parti pour visiter. Mais. Non. Parce que voilà. Des ports, des trucs, des machins. Voilà, tout ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Écoutez, le sud est ok. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une petite porte! Mais. Ah, mais c'est cool! Mais il y a des portes partout! Ah, mais c'est là! Ah, mais c'est... Oh là là! Oh là 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 là! Et là aussi, il y a une petite porte! Ouais, il y a une petite porte ici, hein! Oh, c'est incroyable cette capacité! Et là aussi, il y a une porte! Hein? Ah, je suis sûr qu'il y a une porte. Bon, bah on va pas reprendre ici, on va reprendre la porte là. Voilà, et de cette porte là, il y a une porte là-haut. Et de cette porte là-haut, qui est donc là, d'ici. Oh mais il y a des portes secrètes. C'est con qu'ils aient pas mis ça dans le scénario de base, des portes secrètes. Ou alors il y en a et je les ai pas vus. C'est un peu bête, je dois le dire. Mais là, putain, il est compliqué ce niveau aussi. Il est plus moins long, cependant, mais il est compliqué. Alors, une porte, un cul-de-sac, un cadavre. Je prends. Ah. Je vais laisser mon personnage quelques instants. Non, il n'y a rien. Mais c'est là, c'est sans doute là qu'il y a quelque chose. C'est par là qu'il y a quelque chose, je pense. Bon, là, il y a une porte secrète, hein. Voilà, elle est ouverte. C'est là-haut. Je pense que c'est là-haut, vraiment. Ouais. Ah, gagné. Voilà. La porte secrète, le sanctuaire de l'artificier. Oh, alors, qu'avons-nous là? Ah, oh, bonjour. Une bombe squelette, c'est une énigme. C'est une énigme, bordel de merde. Bon, réfléchir. À moins que ce soit un système de défense. Putain, il y en a plusieurs, ouais. Attends. Et si c'était un nombre exact? Ouais.
Il y en a encore 4, je pense. Ouais, il se passe quelque chose. Oh! Ouf! Oh, mais c'est dingue! Rien d'autre. Un peu pauvre. Mais bel endroit. À l'artificiel. Bon, et eh ben je pense avoir tout. Moi ouais, je pense avoir tout. Bon, du coup, on va reprendre les warps. Et. Il y a quelque chose d'étrange ici. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est alors. Attendez, il n'y a pas encore une porte. Pour aller où d'ailleurs? Pour aller là? Ah non, encore un sarcophage. Oh là là. Il y a beaucoup trop de portes. Alors. Essayons de retourner au centre le plus près possible. Non, pas assez au centre. Non, juste un peu plus près. Voilà. Là, c'est pas mal. Bon, j'ai beaucoup de sceptres de lumière. Donc, on va peut-être pouvoir avancer. Ouais. Alors, comment ça marche? Non. Ça marche pas. Ah, insérer un sceptre vert. Et tirer sur le levier. Ok. Ah, il descend. Ensuite, ensuite, sur celui-là, un sceptre rouge. Rouge, ah non, je sais pas. Vert. Tire le levier. Ok. Oh, rouge, j'ai pas de rouge. Ah merde, alors un jaune. Mais j'ai un bleu. Enlever. Ah, j'ai un bleu, ouais. Et là, il me manque un blanc. Je pense que c'est un blanc, ouais. Ah, d'accord, je... Non. Ok, je viens de comprendre. Je suis... c'est moi. Ok, alors attends. Enlever. Enlever. Enlever et enlever. Ouais, c'est en fonction de chaque colonne. Donc, on va la refaire. Donc, jaune, tirer. Ensuite, le troisième c'est blanc. Ah non, le deuxième c'est blanc. Voilà. Et bah c'est bon. Donc le deuxième c'est blanc, le troisième je sais plus ce que c'était, le quatrième aussi. Oh, et bah voilà. Et donc normalement, si je passe impeccable. Bah. Ah, et le piège a disparu, parfait. Du coup. On va jeter tout ça. On va tout déposer.
toutes ces conneries. Pas que j'en ai beaucoup, mais quand même, ça me prend de la place. Est-ce que j'ai tout lâché? Non, il reste deux là. Paf, paf. Ah ouais, d'accord, j'ai gardé une vraie bombe. J'ai une bombe sur moi, très bien. C'est... Ouais, c'est pas mal. Écoutez. Bon, alors, on va commencer l'étage 2. Oula, oula, c'est pas moche, c'est très moche. Étage 2.